Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique Turf FR. Alors, ce jeudi 23 février, euh, direction l'hippodrome euh, de Vincennes, hein, comme euh, très souvent d'ailleurs, euh, même si on est à la fin du meeting d'hiver, en tout cas, ce sera la réunion principale. Moi, je me suis intéressé à la dernière course du programme, hein, le prix de Blin Bouvron Grave qui sera euh, support euh, de euh, Pic 5 et également de The 5 hein, chez euh, The Turf, une compétition euh, pour des 4 ans. Euh, des poulains et pouliches n'ayant pas gagné 70 000 euros, on a fait une course à euh, bien intérêt intéressante et bien relevée, 13 concurrents, au départ le parcours de vitesse en 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, une course qui est prévue comme vous le voyez à 18h, ce sera un petit peu tard cette dernière course, en tout cas j'ai retenu cette candidature, celle du numéro 13, hein, Jason, c'est une course qui est ouverte, et son profil me plaît tout particulièrement, alors il part en seconde ligne, mais c'est un poulain qui est perfectible. Hein. J'aime beaucoup euh, ce pensionnaire de, de, de Pierre Lévesque. Il est ferré, il n'a pas besoin d'être déféré, en tout cas pour le moment, il ne le fait pas euh, Pierre Lévesque, il lui préserve euh, ses jambes parce qu'il est très très bien ainsi. Euh, sur ce parcours, c'est un chrono de 1-12. C'est le deuxième plus rapide, hein, voilà, par Jingle Dupont euh, qui a trotté une 11-7 et qui s'annonce euh, comme l'un des favoris. Euh, il a vraiment un très bon chrono. Il s'annoncera derrière le numéro 13, le numéro 4, pardon, je t'aime, c'est pas forcément le meilleur des bouleurs. En tout cas, euh, ce Jason, il reste sur de très bonnes performances. Il réalise vraiment un hiver euh, très très intéressant. Vous le voyez, il n'a pas beaucoup couru. Hein. Regardez sa musique. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 courses au compteur. C'est très peu. Euh, dernièrement, il vient de terminer deux. Deuxième d'un quintet plus hein, après enquête. Hein, c'est vrai qu'il y avait des les étrangers, les italiens notamment au départ de cette épreuve. Et euh, il a été un petit peu gêné, mais il a bien lutté jusqu'au bout. Une 14-8, tout de suite à la pointe du combat. A joué de malchance dans la ligne droite. Hein, il courait très bien. Le lot est bien, plus relevé cette fois-ci. Hein, mais regardez. Euh, troisième derrière Jingle Dupont. En totant une 12. Il n'a pas eu forcément le, le meilleur des parcours également. Je pense que c'est un cheval qui s'améliore hein, euh, au fil des courses qui a vraiment de bons moyens et j'aime beaucoup, regardez encore cette performance derrière euh, Jablonski et Jazzup, c'était vraiment un lot très intéressant encore une fois euh, sur l'hippodrome de Vincennes donc voilà, un cheval qui n'a pas beaucoup recours non plus cet hiver et qui s'annonce avec pas mal de fraîcheur, euh, Pierre Lebec est assez confiant et c'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup sa candidature je pense qu'il y aura euh, une cote intéressante hein, il y aura bien 7-8 contre 1 euh, pour la victoire, il faudrait que ça se passe bien, je vous l'accorde la, mais euh, c'est vrai qu'il a largement la, les moyens de lutter pour la victoire à ce niveau de Compétition et moi j'aime beaucoup sa candidature. Donc voilà, ce sera donc le 813, euh, le conseil de jeu de ce euh, jeudi 23 février. Euh, Jason a joué de mon côté un euro gagnant et 3 euros placé. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé euh, hier. Hein, je vous indiquais Idéal du Rocher. Euh, du côté de Vincennes, on a été battu. On est deuxième, on est battu par le deuxième favori. On était favori hein, avec Idéal du Rocher. Et euh, c'est vrai que Jean-Michel Bazir, rien à dire, Crésus euh, qui euh, qui a mis tout le monde d'accord et qui euh, le fait à la manière d'effort, on est battu à la régulière et il euh, n'y a rien à regretter. On est bon, c'est un 1,20€ à la place. J'ai joué 4€, j'en récupère 3,60€. Euh, voilà, ce n'est pas, pas extraordinaire, mais bon, on limite, on limite un peu la casse, on va dire, avec ce concurrent qui était quand même bien favori. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un Jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons à tous. Bye bye.